au cycle Histoire de la médecine. Alors, pour rappel, ce cycle Histoire de la médecine est organisé conjointement par l'extension du MONS, ma collègue Astaquet, et par CITEP 2, qui est le centre de diffusion des sciences et des techniques de la cité. Alors, au cours de ces différentes soirées Histoire de la médecine, ce qui est fabuleux, c'est qu'on peut aborder des sujets en fait totalement différents, tant cette histoire en fait est riche. Et donc, c'est le deuxième cycle qu'on organise, je pense qu'on a mis dans certainement d'autres, parce que c'est un sujet dont on ne verra jamais le bout. Et donc, après avoir abordé la médecine dans le biais des odeurs, etc., on va ce soir parler du lieu où est pratiquée la médecine, d'un des lieux, qui est l'hôpital. Alors, l'hôpital a une histoire, comme tout dans cet univers. Et pour nous en parler, on a la chance d'accueillir notre ami Raphaël De Bruyne, qui est biologiste moléculaire de formation, et qui est surtout le conservateur de l'hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessing, qui est un des plus beaux lieux du pays. Et donc Raphaël va en fait nous parler d'histoire des hôpitaux, mais en centrant plus sur l'aspect médiéval. Alors on a la chance de travailler avec Raphaël De Bruyne sur d'autres projets, notamment en été on va aborder le sujet des plantes médicinales qui est à l'exposition. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Raphaël, bienvenue chez toi ici, et bonne soirée à toutes et à tous. Voilà, oui, c'est mieux. Voilà. Alors, eh bien, on va commencer par remercier du MONS et Francesco en particulier de m'avoir fort gentiment invité à venir vous parler ce soir, à venir causer l'assemblée, comme on dit dans mon université mère. Alors, je vais effectivement vous parler de médecine et d'hôpitaux, surtout dans le contexte médiéval. Je vais le faire en m'appuyant sur une série d'exemples, dont un exemple que j'essaye de bien connaître, c'est-à-dire celui du musée dont je suis conservateur, effectivement, à l'hôpital Notre-Dame à la Rose. Mais avant de faire ça, je vais perdre 30 secondes avec vous. Enfin, perdre 30 secondes en essayant d'en gagner, hein, mais perdre 30 secondes pour faire une chose, un rituel que j'ai installé au début de cette année, et que j'ai encore davantage envie d'installer et de confirmer aujourd'hui. Vous savez qu'on est dans la période 14-18, et pendant cette période 14-18, on commémore évidemment le début, le commencement, la suite, et puis un jour la fin de la Grande Guerre. Celle qui devait être la dernière d'air. Et donc, le passionné d'histoire que je suis est évidemment concerné par l'évocation d'un conflit comme celui-là. Et alors, à ma manière, j'essaye de, chaque fois que j'ai l'occasion, puisque donc aujourd'hui j'ai une tribune et un auditoire devant moi, je vais le faire. J'essaye de rappeler la mémoire d'une personne. Une personne que j'apprécie et qui est morte, assassinée, juste avant que ne commence la guerre 14. Alors vous commencez à deviner sans doute que les 30 secondes que je vais perdre avant de commencer ma conférence, c'est pour le rituel que j'ai voulu pendant ces 4 années. Chaque fois que je fais une conférence, je rappellerai en commençant la mémoire de Jean Jaurès. Parce que c'est ma manière à moi de parler de la guerre 14-18. Et donc je trouve que Jean Jaurès, les idéaux de tolérance, d'humanité, de solidarité, de progrès social qu'il incarnait, ont fâcheusement tendance à manquer dans notre monde d'aujourd'hui, et donc je trouvais pertinent de rappeler sa mémoire et de faire nos 30 secondes pour rappeler la mémoire de Jaurès avant de commencer cette conférence. Voilà, ces 30 secondes étant perdues, je vous propose maintenant de passer réellement au sujet pour lequel vous m'avez invité, les hôpitaux, leur histoire, leur évolution, et surtout la manière dont ces hôpitaux fonctionnaient au Moyen-Âge. Alors, le monde de l'hôpital, au Moyen-Âge, oui, j'ai bien fait de parler de Jaurès au début, ça encore permis à toute cette nouvelle cohorte d'auditeurs d'Amérique. Alors, le monde des hôpitaux au Moyen-Âge, c'est un monde évidemment terriblement différent du monde des hôpitaux contemporains. En fait, pour bien comprendre ce qu'était un hôpital médiéval, vous devez accepter de vous dépouiller de toutes vos références à l'hôpital contemporain.
À l'hôpital contemporain, c'est ce lieu médicalisé, performant, dans lequel nous nous rendons tous et toutes, que nous soyons riches ou pauvres, puissants ou misérables. Nous y allons tous parce qu'il y a là une qualité de médecine, une qualité de personnel, une qualité technique qui est inégalable à domicile, évidemment, à moins vraiment d'être extrêmement riche et de pouvoir se payer un hôpital à domicile, mais ça ne concerne aujourd'hui encore qu'une toute petite frange de la population. Donc, l'image d'hôpital contemporain, vous l'oubliez, pour pouvoir entrer dans ce qu'était le monde de l'hôpital médiéval. On va voir ensemble que la patientèle de l'hôpital médiéval, le personnel de l'hôpital médiéval, c'est radicalement différent de la patientèle du personnel de l'hôpital contemporain. Mais avant de vous parler effectivement du fonctionnement de l'hôpital, il faut d'abord voir ensemble quand, comment, dans quel contexte naissent, apparaissent les hôpitaux. Et donc pour ça, je vous renvoie à une image qui est ici projetée. C'est en fait un dessin. C'est un dessin réalisé au XXe siècle, un dessin qui copie un plan de la ville de Lessines, un plan médiéval de la ville de Lessines, parce que les hôpitaux médiévaux vont naître dans le contexte aussi de l'émergence des villes. Les hôpitaux médiévaux sont des lieux qui se développent en même temps, en parallèle, avec le développement des villes. Et ce développement des villes, il se fait grosso modo autour de deux grands principes. Un premier grand principe, c'est tout ce qui est lié à l'économie, au commerce. Et un deuxième grand principe, c'est celui qui est lié au déplacement des populations. Donc on aura au Moyen-Âge des hôpitaux urbains. Ces hôpitaux urbains naissent soit pour accueillir une patientèle qui est locale ou régionale, ou alors, dans un cadre radicalement différent, pour accueillir dans les villes des pèlerins, des personnes qui sont en voyage, qui viennent de très loin parfois, et qui, pour des raisons que vous comprendrez bien, peuvent parfois également tomber malades au cours de ces longs voyages compliqués et risqués. Donc, dans le monde des hôpitaux médiévaux, il y a deux grands types d'hôpitaux urbains, ceux qui accueillent des patients venant de la ville ou de la région où ils sont situés, et ceux qui sont là pour être des lieux d'accueil de pèlerins qui, eux, sont en route sur les grandes routes de pèlerinage médiéval, Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle, Jérusalem et d'autres. Donc, le monde de l'hôpital médiéval, il est intimement associé au monde des villes. C'est pour ça que les premiers hôpitaux naissent, en fait, dans les régions d'Europe où le mouvement communal est important. On pourrait parler de l'Île-de-France, on pourrait parler de la Toscane, de l'Ombrie, on pourrait parler de la Flandre, du Hainaut, du Brabant, on pourrait parler de l'Andalousie. Donc dans toutes ces régions, il y a un développement communal fort et là naissent des hôpitaux. Je vous montrerai d'ailleurs toute une série d'exemples par l'illustration, par les diapositives tout à l'heure. Ça me rappellera et ça vous rappellera peut-être aussi de bons souvenirs de voyage, de bons souvirs de vacances. Et en ce début d'automne, la lumière descend, c'est agréable de retrouver des lieux qu'on a peut-être eu l'occasion de visiter en vacances. Mais cette image-ci, donc, de la structure médiévale urbaine de la ville de Lessines, elle me permet aussi de vous expliquer que la naissance, la création, la fondation des hôpitaux au Moyen-Âge, c'est quelque chose qu'on doit envisager, qu'on doit lire aussi très clairement dans un contexte non seulement économique, mais aussi un contexte politique, social, un contexte déjà de lutte éventuellement pour le pouvoir entre le monde du temporel et le monde du spirituel. Au Moyen-Âge, comme encore au XIXe et au XXe et au XXIe siècle, les structures sociales, donc les hôpitaux, mais aussi, vous le savez, les structures scolaires ou autres, c'est un enjeu fondamental de société. Celui qui pilote, dirige, gère les structures sociales, scolaires, il a une emprise très forte sur la société, bien évidemment.
Et donc, dans le contexte médiéval urbain, on est malgré tout déjà au 11e, 12e, 13e siècle, face à des problèmes de ce type-là. Et on ne peut donc pas envisager la naissance des hôpitaux indépendamment de ce contexte déjà entre le pouvoir, la répartition du pouvoir entre temporel et spirituel. Je vous illustre ça par l'exemple de Décines. La ville de Décines au Moyen-Âge, telle que vous la devinez là au début du XIIIe siècle, c'est une ville en pleine croissance et dans laquelle on distingue, vous distinguez sans doute assez bien, deux monuments importants. Il y a un premier monument qui est ici, c'est l'hôtel de ville. Il y a un deuxième monument qui est là-bas, en bleu-gris, là, vous voyez, là-bas. Ça, c'est l'église des Canaux de Saint-Pierre. Et vous avez d'un côté le beffroi, de l'autre côté le clocher de l'église, et on se fait concurrence pour celui qui montera le plus haut, et pour celui dont les cloches résonneront le plus fort dans la ville. Et donc, on est là avec le magistrat de la ville, avec le pouvoir temporel, le pouvoir temporel des échevins, du magistrat, des bourgeois. Pour l'église Saint-Pierre, on est là avec l'église décanale, l'église principale. L'autel de l'église Saint-Pierre appartenait au chapitre de Cambrai. Et donc là, on a le pouvoir spirituel. Il y a une lutte d'influence entre le temporel et le spirituel, évidemment. Et il faut compléter cette lutte d'influence en parlant, par exemple, aussi de toute la ceinture de remparts qui se trouve ici, donc tout autour de la ville de Lessines. On a détourné le cours de la Dendre pour faire des bourgs. Et donc, cette ceinture de remparts, elle a été construite par le seigneur de Lessines. Il s'appelait à l'époque Arnoul de Quatre d'Audenarde. Arnoul de Quatre d'Audenarde, c'est le grand bailli de Flandre. C'est le seigneur de Lessines. Et donc, c'est le troisième élément clé des luttes de pouvoir en ville. Il y a le suzerain, le seigneur de Lessines, il y a le magistrat, les bourgeois de la ville, il y a le chapitre de Cambrai, il y a le clergé. Et entre ces trois composantes, il y a des luttes d'influence qui sont importantes et fortes. Et ces luttes d'influence, elles se manifestent à travers la volonté de doter la ville et ses habitants d'une série de services. Alors, ces services, c'est par exemple la ceinture de rempart. La ceinture de rempart, c'est une protection, une garantie de sécurité qu'apporte le seigneur. Le clergé, l'église, il va s'occuper des sacrements, donc c'est toute une dimension aussi, évidemment, de service à la collectivité. Et puis, dans la structure telle que vous la voyez là, mais il manque des choses. Si on réfléchit à ce qui structure une ville, une société aujourd'hui, il manque bien sûr, tel qu'on le voit là, des écoles et il manque des hôpitaux. Et donc très vite, dans beaucoup de villes, il y aura une lutte d'influence entre le seigneur, le magistrat, le clergé, pour doter la population de nouveaux services, pour doter la ville de nouveaux services. Et parmi ces nouveaux services, il y en a un qui est fondamental, c'est l'hôpital. Et donc c'est comme ça qu'en fait, à Lessines, quand au XIIIe siècle, la ville est en plein développement, en pleine croissance, il y a une croissance économique, une croissance démographique, à l'abri de la ceinture de rempart, Lessines est l'étape du drap sur la Dendre. Il y a donc une population qui se développe, il y a donc évidemment un certain nombre de gens qui s'enrichissent, sans citer la grande littérature, mais quand même, allez, je cite quand même Saramago, le grand écrivain portugais prix Nobel, en exergue d'un de ses romans, Saramago, il dit « Chaque fois que vous voyez un très riche, souvenez-vous du nombre de pauvres qu'il a fallu pour faire ce très riche. Enfin, » je le cite un peu librement, mais c'est l'esprit de la citation. Enfin, évidemment, je vous rappelle en passant que tout notre système de sécurité sociale, mutuelle, assurance maladie invalidité, allocation de chômage, système de pension, tout notre système de sécurité sociale, vous savez aussi bien que moi de quand il date.
Est-ce qu'on fait un exercice pour voir si vous êtes attentif? Sauf Françoise qui ne peut pas répondre. Notre système de sécurité sociale, c'est après la guerre, oui, 1940, après, enfin, 1945 et suite, hein, après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Donc, si tout notre système d'assurance, d'invalidité, d'allocation de chômage, de pension, tout ce système médico-mutualiste date de 1950, vous avez conclu que en 1242, il n'existe pas. En 1240, il n'existe pas. Donc, il y a effectivement une croissance économique, mais elle s'accompagne encore plus à l'époque, évidemment, d'un nombre important de laissés pour compte. Et ces laissés pour compte, ces exclus, ces indigents, ces sans domicile fixe, ils sont là dans la ville. Il faut bien que la société se décide à prendre soin d'eux. Pour plusieurs raisons. Parce que la société de l'époque, la religion, elle percole dans toute la société. Mais aussi, tout simplement, parce que pour le magistrat, pour le suzerain, pour les gouvernants des cités, s'il y a un nombre important d'éclopés, de mendiants, d'infirmes, de SDF dans les villes, ben, toute cette population laissée pour compte, qu'est-ce qu'elle pourrait provoquer? Ben, elle pourrait se syndiquer, j'allais dire, enfin le mot est anachronique, hein, mais hein, elle pourrait se syndiquer, elle pourrait décider de manifester, hein, elle pourrait casser du mobilier urbain, ça puisse dire, hein, bon, hein, elle pourrait fomenter des troubles, des révoltes, de l'insécurité. Et donc, les gouvernants des cités au XIIIe siècle, ils sont pas complètement plus fous qu'aujourd'hui, hein, ils savent bien que s'il y a des écarts sociaux trop importants, ben, ça peut créer de l'instabilité, de l'insécurité, ça peut être le vivier de révolution. Et donc, ils comprennent bien qu'ils ont intérêt à voir apparaître dans la société, dans la structure urbaine, une structure qui est conçue, qui est prévue pour prendre soin des éclopés, des mendiants, des infirmes, des SDF, des pauvres malades. Et donc, la patientèle de l'hôpital médiéval, ce seront les pauvres malades. Et dans la manière dont je le dis, il y a un sens. La notion de pauvre, elle est primordiale en fait. Parce que, vous le comprenez bien, quand on est pauvre, on a plus de malchance de tomber malade. Quand on est mal nourri, quand on est mal logé, on risque davantage de tomber malade. Et si éventuellement, on n'a même plus de domicile, on se retrouve à la rue, obligé de vivre de la mendicité publique, on a encore plus de chances d'être malade. Et donc l'hôpital, quand il naît dans le contexte médiéval urbain, il naît pour être le lieu d'accueil de l'éclopé, du mendiant, de l'infirme, du SDF, pour être le lieu d'accueil du pauvre malade. Donc la patientèle d'un hôpital médiéval, ça n'est pas du tout le quidam qui tombe malade, c'est le pauvre malade, celui qui ne peut plus vivre en rue de mendicité publique. Et donc ce pauvre malade, on va l'amener à l'hôpital, et l'hôpital, on va le situer, on va l'installer au sein de la structure médiévale, au sein de la ville, au sein de la ceinture de rempart. C'est très différent d'aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, on a une très nette tendance à construire des hôpitaux en dehors des villes, hein, en dehors des villes, parce qu'on les place en périphérie, le long du périphérique ou le long du ring de la ville, pour être facilement accessible éventuellement dans ce cas-là. Mais au Moyen-Âge, ce n'est pas du tout le cas, on place l'hôpital dans le cœur de la ville. Il y a même parfois ce qu'on appelle le cœur sacré médiéval d'une ville. Le cœur sacré médiéval, c'est l'église, la cathédrale, le béguinage et l'hôpital. Ça, ce sont les trois monuments du cœur sacré médiéval d'une ville. Et donc, à Lessines, eh bien, l'hôpital, il va apparaître, en fait, on risque un bateau qui traîne quelque part. Peut-être pas que ça traîne, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, vous voyez l'église dont j'ai parlé, le bâtiment bleu qui est là. Eh bien, on va aller un petit peu plus haut à droite. Et là, un petit peu plus haut à droite, en fait, ceci ici, ça, c'est la rivière.
Ça, c'est la Dendre, qui traverse en partie la ville. Et bien là-bas au bout, sur la droite de la rive de la Dendre, il y a, vous voyez là, il y a des bâtiments, avec un peu de verre aussi, et il y a un petit pont, une petite passerelle, vous voyez aussi, et d'autres bâtiments qui sont sur la rive gauche. Et bien ça, c'est l'hôpital médiéval de Lessines, l'hôpital Notre-Dame, qui est fondé en 1242. Et cet hôpital Notre-Dame, qui est fondé en 1242, il est à l'intérieur de la ceinture de remparts, il est le long du bras de la rivière, et il se situe à cheval sur le bras de la rivière. Une partie sur la rive gauche, une autre sur la rive droite. Tous ces bâtiments-là forment la structure hospitalière. Alors, qui est-ce qui fonde cet hôpital à Lessines? Eh bien, vous avez trois chances. Ça peut être le seigneur, ça peut être les bourgeois, ça peut être le clergé. Ça dépend des villes. On en parlera tantôt. Quand je vous ferai faire un petit tour d'Europe des hôpitaux, vous verrez que... Voilà, il y a différents cas de figure. Mais à Lessines, c'est le seigneur de Lessines. C'est Arnoul de Quatre-Nos de Nardes qui va être le fondateur, enfin le fondateur posthume de l'hôpital. La fondation de l'hôpital, on va voir Arnoul de Quatre, oui. Parce que dans son testament, Arnoul de Quatre a laissé une somme d'argent très importante. Cette somme d'argent, comme il l'écrit, on peut prendre son texte au premier degré, il laisse une somme d'argent importante pour, comme il l'a écrit, racheter cette œuvre. Vous pouvez vraiment le prendre au premier degré, racheter cette œuvre. C'est vraiment ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, Arnoul de Quatre, donc, seigneur de Lessines, grand bailli de Flandre. Grand bailli de Flandre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la comtesse de Flandre, Jeanne de Constantinople. Jeanne de Constantinople, c'est pas rien, si vous vous souvenez un petit peu de l'histoire de nos régions, son père, Baudouin de Flandre, qui était comte de Flandre et de Hainaut, il avait un numéro d'ordre différent suivant qu'il était comte de Flandre ou de Hainaut, et Baudouin de Flandre et de Hainaut, il est parti comme chef, enfin, comme un des chefs d'une des croisades. C'est la fameuse croisade qui est allée jusqu'à Constantinople. Ils ont pris Constantinople et ils ont installé un des chefs croisés à la tête de Constantinople. Et c'est Baudouin qui est devenu empereur à Constantinople. Et donc, Jeanne de Constantinople, c'est la fille de Baudouin de Constantinople, c'est elle qui est comtesse de Flandre à ce moment-là. Donc, nos régions à l'époque sont un des centres politiques et économiques du monde. Et Jeanne de Constantinople, donc, son ministre de la Justice, c'est le seigneur de Lessines, c'est Arnoul de Quatre-Nos de Nardes. Et pour compléter un peu le tableau, Arnoul de Quatre-Nos de Nardes, il a épousé une princesse française qui s'appelait Alix de Rozoy. Alix de Rozoy, on dit que c'est une dame d'honneur de Blanche de Castille, donc la mère de Saint-Louis, vous voyez un peu aussi. Et puis, dans la famille d'Alix de Rozoy, elle a eu, je crois que c'est son grand-oncle, si j'ai bonne mémoire, Roger de Rozoy, qui a été évêque de Laon. Vous connaissez Laon, hein, la montagne couronnée, hein, qui peut, entre Reims et chez nous. Hein. Et en plus, son frère, le frère d'Alix, qui s'appelle aussi Roger, Roger de Rozoy, c'est un des intimes de Saint-Louis. Et Roger de Rozoy, c'est un des chevaliers qui, au désastre de Mansoura, a sauvé Saint-Louis de la mort. Il est mort à Mansoura, Roger de Rozoy, en sauvant Saint-Louis, en sauvant Louis IX. Donc, ouais, ce sont des gens qui font partie des très hauts personnages de leur temps. Et donc, Alix et Arnoul sont les fondateurs de l'hôpital. C'est pour vous dire aussi que la somme d'argent qu'Arnoul a laissée, elle est importante. Ce sont des gens qui ont des moyens. Et Arnoul était inquiet parce qu'il se demandait si des fonctions qu'il avait exercées, il avait toujours exercé avec discernement. Quand on est ministre de la Justice et qu'on doit tous les jours trancher des conflits judiciaires, on peut peut-être parfois s'être trompé. Et donc Arnoul, un peu inquiet, laisse une somme d'argent importante. Alors s'il fait ça, c'est aussi parce qu'à l'époque, l'Église vient d'inventer, si j'ose dire, un concept génial. Au concile de Latran, qui s'est tenu au début du XIIIe, enfin un des conciles de Latran, l'Église va inventer le purgatoire. Et en fait, le purgatoire, c'est, si j'ose dire, c'est terriblement utile parce que ça va être une extraordinaire pompe à subside. Je m'explique. C'est mieux que les fonds européens. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, si vous êtes dans une situation où
vous avez le choix au jugement dernier entre le paradis et l'enfer. Ben, oui, bon. Il y a un moment, vous avez fait tellement de conneries de toute façon que vous êtes sûr de finir en enfer. Donc, pourquoi encore s'amender ? Par contre, dès le moment où apparaît l'idée de purgatoire, je sais que j'ai toujours un peu à vous pardonner, c'est trop de bon mot. Dès le moment où apparaît l'idée de purgatoire, voilà, il y a une part de rachat qui est possible, évidemment. Et ça, c'est une invention géniale, évidemment, parce que beaucoup de gens, pour au moins espérer atteindre le purgatoire, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ben, ils vont donner de l'argent, ils vont faire des dons. Même à la fin de leur vie, de leur testament, ils font des dons très importants, et ces dons sont là pour racheter leurs torts ou leurs erreurs. Et cet argent, ben, il va être investi en quelque sorte. Il va être investi de diverses manières. Mais une manière fondamentale de l'investir au Moyen-Âge, c'est la création d'institutions charitables. C'est la création d'hôpitaux. Le fonctionnement des hôpitaux médiévaux, c'est un fonctionnement qui est gratuit. Le pauvre malade est reçu gratuitement. Pourquoi ? Parce que tout le système de financement de l'hôpital médiéval est un système de financement qui repose sur le concept de charité chrétienne. Les gens importants font des dons à des institutions charitables, donc à des hôpitaux. Ces dons permettent aux hôpitaux d'être construits, agrandis, modernisés, de disposer du matériel de l'époque. Alors ces dons, ils peuvent être en espèces sonnantes et trébuchantes, comme on dit, mais ils peuvent aussi être des terres, par exemple. Et donc, on va voir aussi, les hôpitaux sont des structures autarciques, donc des structures très complexes. On verra comment ça fonctionne. Tellement complexes que parfois, au début, c'est le cas à Lessines, on se retrouve avec un personnel qui est fait de communautés religieuses doubles. Je ne dis volontairement pas mixtes. Des communautés doubles dans le sens où il y a effectivement des frères plutôt type convers et des sœurs, et des prêtres. Donc le personnel d'un hôpital, ce sont des hospitaliers et des hospitalières, des frères et des sœurs, et il y a les deux, parce qu'il y a à la fois les malades des deux sexes, mais parce qu'il y a à la fois des missions dans le cadre d'une structure autarcique, des missions qui demandent d'avoir un personnel aussi bien masculin que féminin. Quand, comme c'est le cas à Lessines, l'hôpital possède plusieurs fermes, 550 hectares de terre au Moyen-Âge, c'est pas une communauté de 18 religieuses qui va labourer les 550 hectares de terre. Donc il y a aussi une présence masculine à travers des prêtres, mais surtout aussi des convers. Donc, l'hôpital, il est là, il apparaît, il naît, il se développe. C'est Arnoul de Quatre-Dodonard qui est le fondateur posthume. C'est Alix de Rozoy, son épouse, qui est la véritable fondatrice de l'hôpital. Et Alix et Arnoul dotent ainsi la ville, offrent à la population un nouveau service. Les gens de Lessines disposeront d'un lieu où ils peuvent être soignés et où surtout ils peuvent conduire, déposer, laisser les éclopés, les mendiants, les infirmes, les SDF de la ville. Quand les sergents de ville trouvent quelqu'un en rue, malade, affaibli, amoindri, que vont-ils en faire ? Eh bien, ils viennent frapper à la porte de l'hôpital et l'hôpital va prendre en charge cet éclopé, ce mendiant. Ça veut dire aussi, par parenthèse, on pourra en reparler tantôt, ça veut dire aussi que si vous imaginez la vie des communautés religieuses hospitalières comme une vie calme, paisible, de femmes qui vivent recluses, dans une attitude de contemplation béate. Là, vous êtes à côté de la plaque aussi, si j'ose dire. Parce que la vie des hospitalières est une vie rude. Une vie rude parce que, tout simplement, en fait, la plus extrême violence de la société vient frapper chaque jour à la porte de l'hôpital. Chaque fois qu'on leur amène l'éclopé, le mendiant, l'infirme, ben, c'est la violence la plus forte de la société qui fait irruption dans le monde de l'hôpital, évidemment. Donc, il y a eu, au cours des siècles, probablement 300 ou 350 femmes qui se sont succédées à l'hôpital pour le faire vivre. Voilà, moi je suis
je suis athée, mais je vous avoue que j'ai une part non négligeable d'admiration pour elles, parce que la vie qu'elles ont menée n'était sûrement pas une vie simple, sûrement, ni très confortable. Alors, ça fait longtemps, Marc de Meuse, en bon pédagogue, me dirait, Raphaël, ça fait longtemps que tu es devant la même dia et que tu parles devant la même dia, il serait temps que tu changes. Bon, je change. Vous direz que vous préférez celle d'avant. Oui. Bon, non, mais je vous impose celle-ci quand même. Allez. C'est pour vous dire quelque chose que je n'ai pas encore dit, mais que si vous vous souvenez du contexte médiéval, j'ai dit tantôt, hein, pas de sécurité sociale, rien de tout ça. C'est une danse macabre, hein, cette vie. Une danse macabre, pour vous rappeler que le contexte, évidemment, de l'époque est un contexte dur. Hein. Et donc la mort est très présente. Hein. Vous savez bien que la mortalité périnatale est très importante. Et vous vous souvenez sans doute que l'espérance de vie au XIIIe siècle, statistique moyenne, hein, évidemment, je sais bien, hein, mais l'espérance de vie au XIIIe siècle, l'espérance de vie moyenne au XIIIe siècle, elle n'excède pas 30 ans. Ça veut dire que certains vivent jusqu'à 50, hein, mais beaucoup d'autres sont morts avant 20. Hein. Donc voilà, la mort est beaucoup plus présente dans la société, dans la vie, dans l'imaginaire collectif. Ça explique aussi pourquoi l'importance enfer, paradis, jugement dernier, purgatoire, enfin... Pour les gens de l'époque, ils y pensent beaucoup plus souvent que nous encore. Et donc, dans cette société dure, difficile, duale, voilà, cette présence de la mort explique aussi le contexte de fondation des hôpitaux. Ça, c'est un dessin de l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose qui va me permettre de vous parler du site autarcique, du fait qu'un hôpital médiéval, c'est un site autarcique. Un dessin, c'est bien, mais au fond, comme j'ai une vraie photo, une vue aérienne, voilà une vue aérienne. Alors, ça me permet de vous montrer ce qu'on voyait tantôt sur la copie du plan de la ville. En fait, donc, il y a la rivière. On va d'abord se repérer par rapport à la rivière. Est-ce que vous la voyez? La rivière, elle démarre là-bas, à droite. Elle est un peu cachée. Et puis, elle ressort là-bas, à gauche. Ouais. Ça, c'est le bras de la Dordre qui traverse les Signes, et l'hôpital est construit de part et d'autre du bras de la Dordre. De ce côté-ci, sur la rive gauche, on a ici un grand bâtiment qui est la copie d'une abbaye. C'est un bâtiment conventuel, c'est un cloître. Et ce bâtiment, donc, c'est le bâtiment conventuel et hospitalier. Donc, une partie du bâtiment, comme une abbaye, est occupée par une communauté religieuse, et l'autre partie des bâtiments, c'est la partie hôpital, où on donne les soins. Et puis on va voir tout à l'heure ensemble aussi que ces soins, ils sont spirituels et de l'âme, et ils sont matériels et médicaux du corps. Et donc il y a cette dualité médecine-religion dont on va parler, il y a des soins spirituels, des soins de l'âme, des soins du corps, matériels et médicaux. Et en fait ici, il y a la façade principale. C'est une façade à la fois d'un bâtiment civil et d'une église. Parce que derrière, il y a dans le prolongement la chapelle et les salles des malades. Et il y a au milieu de la toiture un grand clocher qui est là pour marquer justement la forte présence de la religion, des soins de l'âme, des soins spirituels dans le monde de l'hôpital. Et comme j'ai dit tantôt aussi, l'hôpital c'est un site autarcique. Ça veut dire qu'il y a, sur la rive droite, là-bas en haut, une ferme en carré. Des bâtiments blancs, avec les toitures d'ardoise, que vous voyez à droite de la rivière, rive droite. C'est la ferme de l'hôpital. Et puis il y a ici, comme vous le voyez aussi, un, deux, grands jardins. Et puis il y avait là-bas au-dessus, là où se trouve aujourd'hui, l'ancien nouvel hôpital devenu aujourd'hui une maison de repos et qui a été construit, lui, dans les vergers de l'hôpital. Donc au Moyen-Âge, là-bas, tout le morceau qui est là-bas en haut à droite de la via, c'était des vergers. Donc, jardin et enfin aussi glacière et même cimetière. Et dans les jardins, évidemment, dites-vous qu'il y a une grande partie
ce sont les carrés de plantes médicinales, donc j'en ai 5. Et tout ça, ça forme un site hospitalier autarcique complet. Alors aujourd'hui, l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose, il est classé en patrimoine exceptionnel, c'est le plus haut niveau de classement possible en Belgique, et ce classement, on le doit à ça, au fait qu'on a conservé sur place toute cette structure hospitalière autarcique complète, illustrant ce qu'était un hôpital médiéval. Voilà pour la structure hospitalière complète et pour la dimension autarcique. Et donc, comme je vous l'ai dit, je l'illustre un peu par l'image, la fondation des hôpitaux, elle est intimement liée donc à toute la problématique de la mort et de qu'y a-t-il après la mort. Et donc, le jugement dernier, l'archange Saint-Michel, sa grande balance de justicier, la pesée des âmes, paradis ou enfer. Pratiquement toujours le même cas de figure, des personnages importants, puissants, inquiets, qui font des dons importants. Ces dons importants sont canalisés, encadrés par l'Église, et de cette manière-là, on voit naître les hôpitaux. L'exemple de Lessine avec Arnoul de Cafodo-Donarde, vous le voyez ici, notre Arnoul, dans une reliure, dans une miniature, il est représenté avec son écu sang et or. Le rouge et le jaune sont toujours aujourd'hui les couleurs de Lessine. Elles nous viennent de ce seigneur du XIIIe siècle. Alix de Rozoy, son épouse, un dessin de son sceau tel qu'il existait donc sur certains documents d'archives de l'hôpital au XIIIe siècle. Et puis, pour prendre un point de comparaison, au-dessus, un autre couple célèbre, sans doute plus célèbre qu'Arnould et Alix, vous les connaissez probablement tous et toutes, Nicolas Rollin et Guigonne de Salin, Nicolas Rollin et Guigonne de Salin, le chancelier de Philippe le Bon et son épouse, les fondateurs et fondatrices des Hospices de Beaune. Ceci dit, Beaune va être fondée au milieu du XVe siècle, donc 200 ans plus tard. Et Beaune est fondée par imitation des grands hôpitaux flamands ou aiguillés, Valenciennes, Lessines et ainsi de suite. C'est en venant dans nos régions que Nicolas Rollin a eu l'idée de fonder Beaune. Et les sœurs, la première communauté religieuse de dames hospitalières à Beaune, ce sont des sœurs qui ont été importées de l'hôpital de Valenciennes. Donc il y a vraiment un lien très fort avec nos régions. Pour vous dire aussi que médecine et religion sont deux notions intimement liées, vous montrez quelques documents d'archives et vous montrez là-bas en haut à gauche, même si vous n'avez pas fait de latin, c'est pas trop compliqué, vous avez la troisième ligne, hospitaliste Beate Marie de Lessine. Donc l'hôpital Notre-Dame de Lessine, un hôpital de la Bienheureuse Marie, c'est la Vierge de Notre-Dame, l'hôpital Notre-Dame de Lessine. Donc on voit bien que l'hôpital est placé sous la protection de la Vierge ou d'un personnage, d'un saint, hein, un saint important, parce que soit il a des vertus curatives, ou soit dans son hagiographie, il est réputé pour avoir été charitable. Et puis, l'autre document d'archives qui est ici, c'est une copie du 15e d'une bulle du pape Urbain IV, et on retrouve aussi à ce moment-là, donc, la mention ici, hospitalis, et ici, hospitalis pauperum, il y a une abréviation dans le latin de l'époque qui est là, c'est hospitalis pauperum, Beate Marie de Lessine. Donc l'hôpital Notre-Dame, bien sûr la dimension religieuse, mais aussi l'hôpital pauperum. Si vous le faites un tout petit peu en latin, pauperum c'est des pauvres, l'hôpital des pauvres de Lessine. Donc voilà bien la notion de pauvre malade qui est bien présente. Et le pauvre malade, si on essaye de comprendre pourquoi il est reçu à l'hôpital comme le seigneur de la maison, le pauvre malade, c'est le maître de la maison. Les statuts disent que le pauvre malade, c'est le seigneur de la maison, c'est lui qui est le personnage clé le plus important de l'hôpital. Pourquoi ? Mais parce que dans l'esprit de l'époque, c'est un peu bizarre peut-être pour nous aujourd'hui, et dans l'esprit de l'époque,
le pauvre malade, il est reçu à l'image du Christ souffrant. Ça, c'est une notion importante. Le pauvre malade, c'est la manifestation concrète dans la société d'une notion abstraite, Jésus souffrant. Donc, le pauvre malade, c'est l'image du Christ souffrant. Et il est reçu à l'hôpital comme le roi de la maison, parce que à travers lui, c'est l'image de Jésus souffrant qu'on appelle. Et donc, l'accueil des malades dans les hôpitaux médiévaux, c'est un accueil qui est basé sur une notion qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, mais qui est une notion religieuse fondamentale du Moyen-Âge. On va même le voir tout à l'heure aussi à travers un exemple d'un hôpital italien. C'est ce qu'on appelle les sept œuvres de miséricorde. Alors, les sept œuvres de miséricorde, je vous les rappelle là, au cas où vous les auriez oubliées. Nourrir les affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, ensevelir les morts, offrir le gîte aux pèlerins, soigner les malades, bien évidemment. Et la dernière, libérer les prisonniers, ça mérite un mot d'explication. C'est pas dans le sens où on l'imaginerait aujourd'hui, c'est pas libérer les prisonniers de la prison de Mons ici plus loin, c'est pas ça. C'est dans le sens où on est en période médiévale, de croisade, et donc on a à l'époque évidemment des frères chrétiens qui ont été soit rançonnés, soit faits prisonniers à la guerre par les troupes musulmanes, et donc évidemment libérer les prisonniers, c'est rassembler l'argent de la rançon pour libérer les chrétiens prisonniers en Terre Sainte ou en territoire ennemi, c'est dans ce sens. Et vous avez trois miniatures qui proviennent des archives de la cathédrale de Tournai, où on voit en fait les sœurs de l'hôpital Notre-Dame de Tournai recevoir la charte de fondation de l'hôpital et accueillir un malade et nourrir un malade. Et donc ça, c'est une iconographie vraiment typique du monde des hôpitaux médiévaux. Et même plus tard encore, cette image des œuvres de miséricorde, on va la retrouver, voilà ici, dans le patrimoine du CPAS d'Anvers. Ça mérite un peu d'explication, mais quand on le sait, c'est évident. Mais les hôpitaux médiévaux sont donc des lieux où on accueille le pauvre malade au nom de la charité chrétienne et pratique des œuvres de miséricorde. Puis dans l'évolution de la société, qu'est-ce qui va se passer? À un moment, au XVIIe siècle, on voit apparaître timidement la notion de bienfaisance publique. Puis cette notion de bienfaisance publique, elle va se développer, elle va culminer avec la période révolutionnaire. Et à la Révolution française, dans le monde des hôpitaux, qu'est-ce qui se passe? Mais les hôpitaux, comme les biens d'église, sont nationalisés, deviennent propriété. Ici, ce n'est pas de l'État, c'est des municipalités, des communes. Et le concordat entre Napoléon et Pie VII rétablit une terre religieuse. Et en Belgique, nous allons créer, enfin, d'abord l'Empire crée les commissions d'hospices civils et maisons de santé, qui en Belgique vont devenir les commissions d'assistance publique, les CAP, aujourd'hui les centres publics d'action sociale, comme on les appelle, au CMOE en Flandre. En France, l'équivalent, c'est l'assistance publique. Et donc, voilà le cheminement, en fait, des hôpitaux et du patrimoine hospitalier. Je fais ce long détour pour vous expliquer pourquoi les CPAS en Belgique sont les propriétaires aujourd'hui de patrimoine artistique très important qu'ils ont hérité des hôpitaux qui sont passés sous leur direction après la Révolution française. Et donc, dans le patrimoine du CPAS d'Anvers, voilà Jacob Jordaens, c'est pas rien, hein, Jordaens, c'est un des tout grands peintres flamands du XVIIe, Jacob Jordaens, qui a peint pour les religieuses de l'hôpital Sainte-Élisabeth d'Anvers, les religieuses occupées à pratiquer les sept œuvres de miséricorde. Le même principe avec les religieuses de l'Hôtel Dieu de Paris, qu'on voit aussi ici,
dans la salle des malades, enfin dans une des salles des malades de l'Hôtel Dieu de Paris, parce que l'Hôtel Dieu de Paris à l'époque c'est 500 lits, donc c'est pas une seule salle de malades. Et donc les voilà occupés à pratiquer ces œuvres de miséricorde. Alors, deux, trois détails importants, les voilà ici ensevelir les morts, les voilà ici occupés à coudre des linceuls. Ouais, comme je disais tantôt, ce n'est pas une vie simple. Il y a des activités plus amusantes que de tous les jours coudre des linceuls. Et puis, vous voyez aussi les lits. Vous avez vu que les lits, ici, un lit où il y a une seule personne, mais pour les deux autres lits qui sont représentés, vous voyez qu'il y a deux malades par lit. On aurait pu en voir trois parfois aussi. Donc, les lits d'hôpitaux médiévaux sont des lits doubles, voire triples parfois. On y met deux, voire trois malades par lit. Et, dans beaucoup d'hôpitaux, jusqu'au XVIIe siècle, ces lits peuvent être mixtes. Pas de fantasme. Alors, je vous ai beaucoup parlé donc du contexte de la fondation, de la naissance des hôpitaux médiévaux. Je vous emmène vers qui séjourne en vacances à travers l'Europe. Et on va voir ensemble quelques hôpitaux, en Europe et dans le monde d'ailleurs aussi, quelques hôpitaux qui, pour la plupart, vont naître au Moyen-Âge et existent encore aujourd'hui. Parfois de manière indirecte peut-être, mais existe encore aujourd'hui. Voilà ici en Belgique, c'est un tableau pour en parler, parce que le tableau est intéressant, c'est Gael, l'hôpital Saint-Dimple, à Gael. Et dans leur patrimoine, il y a ce tableau très intéressant, qui illustre remarquablement bien la vie quotidienne également dans une salle de malade. On est là avec une salle des malades médiévale, on a des lits en bois, des alcôves, on a une grande salle commune. Dans cette grande salle commune, on voit qu'on fait tout, c'est une grande salle à tout faire. Aussi bien les soins matériels et médicaux que les soins spirituels et de l'âme. Je vous illustre ça. Les soins spirituels et de l'âme, eh bien là-bas, en haut à gauche, entre en scène le prêtre qui arrive pour donner les sacrements. De la même manière, au milieu de la salle, trône une crédence surmontée, on le voit difficilement, mais vous me dites que vous ne le voyez pas, mais surmontée d'un Christ de douleur, Jésus portant la croix. Ça, c'est l'image du Christ souffrant, présent dans la salle des malades, pour rappeler aux religieuses que le métier qu'elles font, accueillir le pauvre malade, c'est accueillir Jésus souffrant. Puis, à l'avant-plan, des religieuses et des malades. Et qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on fait tout. On fait tout. On donne des soins matériels. Les soins matériels, quels sont-ils? Eh bien, vous verrez qu'on voit deux religieuses occupées à épouer les têtes de deux malades. Vous verrez aussi qu'on voit une religieuse occupée à laver les pieds d'un malade. La toilette, soin matériel. Vous voyez aussi qu'on prépare le repas et qu'on va donner le repas. On est toujours bien là, dans le cadre des soins matériels. Et ceci dit, pour l'écloper le mendiant, le SDF qui arrive à l'hôpital affaibli, affamé, mal nourri, dans des conditions sanitaires très mauvaises, mais le fait de recevoir un toit, un lit, de l'hygiène, deux repas par jour, ça suffit très souvent à ce qu'il retrouve santé. Donc l'hôpital n'est pas le mouroir que vous pourriez imaginer. Les statistiques de mortalité dans l'hôpital médiéval, sauf en période évidemment d'épidémie, et il y a une nuance à faire, je prends le temps de la faire, l'hôpital médiéval n'est pas la structure prévue pour accueillir les malades en cas d'épidémie. En fait, l'hôpital médiéval, la plus belle comparaison qu'on pourrait faire, c'est l'équivalent, en quelque sorte, des urgences de l'hôpital public d'aujourd'hui et des bureaux du Centre public d'action sociale. C'est ça son rôle. C'est l'ancêtre des structures sociales d'aujourd'hui. Les urgences et le bureau du CPS, en fait. C'est ça son rôle.
Les contagieux, normalement, ne sont pas admis à l'hôpital. Les femmes enceintes non plus. On en parlera tantôt si j'ai un peu de temps encore. Alors, dans cette grande salle des malades qui est là, donc on a tous ces soins qui sont donnés, et on a même aussi regardé un chien et un chat. Les animaux sont présents, pour de bonnes raisons. Ils sont utiles. Et, voilà, une vue un peu semblable pour évoquer l'hôpital Saint-Jean-de-Bruges. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ici, regardez, vous avez un monsieur qui est là, appuyé sur sa canne, claudiquant, qui arrive. Il tient en main un billet. Ce billet, c'est son billet d'admission que le médecin vient de lui faire. Et il entre à l'hôpital. Et ce monsieur, vous voyez, il entre à l'hôpital avec son chien, avec son animal de compagnie. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en fasse? Il ne va pas le laisser dehors, hein? Il entre avec lui. Vous avez les rangées de lits en bois, comme on a vu tantôt. Vous avez le prêtre qui est là pour les sacrements. Vous avez la religieuse qui est là, qui prépare également quelque chose de religieux. Vous avez les autres religieuses qui sont là, qui elles préparent des soins matériels, le repas. Vous avez d'autres religieuses qui sont là, qui sont en train de soigner, de changer un lit, ou de changer un malade. Et puis vous avez, au milieu des rangées, des lits individuels. Ça, c'est l'ancêtre d'intensive care. Ce sont les soins intensifs du Moyen-Âge. Les lits individuels au centre des rangées, c'est là qu'on met le malade qui a particulièrement besoin de soins. Et d'ailleurs, le médecin est là. Le voilà, le chirurgien, avec son assistant, avec leur brouette, dans laquelle se trouve tout le matériel. Et le chirurgien, il est en train d'examiner là quelque chose. Ça ressemble furieusement à un morceau d'intestin. Et puis il reste une chose remarquable sur l'image, c'est ici, ceci ici, une chaise à porteur, avec deux porteurs. Mais si ça, c'est l'ancêtre d'Intensive Care, ça, c'est le SMUR, le secours médical urgent. C'est l'ambulance de l'époque. C'est avec elle qu'on va chercher les malades en ville ou en rue. Voilà pour la structure de l'hôpital. Alors, le tableau est du 17e, mais ceci dit, rien ne change dans le monde de l'hôpital entre le Moyen-Âge et le 17e. Donc là, on était encore en Belgique à Bruges. Allez, on voyage un peu plus loin, on va aller un peu plus vite. Au Portugal, voilà par exemple à Braga, dans le nord du Portugal, l'hôpital de la ville. Vous voyez que c'est un bâtiment dont l'architecture est remarquable. Et donc les hôpitaux, au Moyen-Âge, mais encore au 17e, mais ce sont des bâtiments pour lesquels il y a un vrai projet architectural, souvent. Toujours au Portugal, ici on est à Porto. À Porto, voilà, un hôpital, ici c'est un bâtiment 18e, un style un peu paladien, c'est un hôpital construit à l'époque où les Britanniques sont présents au Portugal. Ça c'est pour l'hôpital de Porto. Et puis, on arrive en Espagne, à Séville, l'hôpital de la Charité, très bel hôpital aussi, vous voyez le bâtiment, une façade principale, une façade d'église. Il y a derrière cette façade de belles œuvres de Murillo, le grand peintre espagnol. Toujours à Séville, un autre hôpital plus petit, mais vous voyez le beau patio intérieur, l'hôpital des Vénérables, c'est-à-dire l'hôpital des anciens prêtres. Beau bâtiment aussi, beau cloître, belle architecture. Et puis, on va en Toscane, un tout petit peu au nord-ouest de Florence, à Pistoia, l'Ospedale del Ceppo, l'hôpital du Cep, avec une façade remarquable, un portique en avant-plan de Brunelleschi, et au-dessus du portique, des médaillons et une fresque en terre cuite vernissée de l'école de la Robbia. Quand on entre, ce qui est curieux, c'est que derrière la façade ancienne, c'est un hôpital moderne. Donc, une rupture complète. On a fait du façadisme à un moment, on a gardé la façade, mais derrière, c'est moderne. Mais les fresques en terre cuite vernissée, voilà, elles sont terriblement importantes en histoire de la médecine,
parce qu'elle représente justement les sept œuvres de miséricorde. Donc c'est vraiment l'enseigne de l'hôpital qui est affichée sur sa façade. Et vous voyez, dans ces œuvres de miséricorde, vous voyez ici les bourgeois de la ville, le directeur de l'hôpital, qui est un civil, un laïc, qui distribue du pain aux pauvres. Et ça montre que, dans ce que je vous disais tantôt, je vous ai dit, bon ben, le fondateur de l'hôpital, ça peut être le clergé, ça peut être le suzerain, ça peut être les bourgeois. Ici, à Pistoia, comme à Sienne, qu'on verra après, là, ce sont les bourgeois de la ville qui fondent l'hôpital. Ce n'est pas le pouvoir religieux. Voilà d'ailleurs, en face de la cathédrale de Sienne, les bâtiments de l'hôpital Santa Maria della Scala, l'hôpital de Sienne, fondé au XIIe siècle par les riches bourgeois de la ville. C'est un des hôpitaux médiévaux, un des exemples d'hôpital médiéval au sein duquel le pouvoir religieux est le moins présent. Non, bon, il faut s'entendre quand je dis ça. Il y a une chapelle, c'est l'hôpital Santa Maria, hein, bon, c'est quand même clair. Et il y a une grande salle où on reçoit les pèlerins, les malades, avec des fresques dont les sujets sont tout à fait religieux, malgré tout aussi évident. Mais l'hôpital de Sienne, c'est le premier qui invente le mécénat, parce que les livres de comptes, les bicernes, les livres de comptes médiévaux de l'hôpital étaient reliés chaque année par un artiste, et sont les bourgeois de la ville qui commandaient ces reliures à un artiste, et donc, en histoire de l'art, c'est un exemple extrêmement ancien de ce qu'on pourrait appeler une forme de mécénat. Et puis, peut-être mon préféré, enfin ma façade d'hôpital préférée, on n'est pas avec un hôpital médiéval, on est avec une façade du XVIe, c'est à Venise. Bon, hein, Venise est une belle ville, hein, on a beau dire que c'est un piège à touristes, enfin bon, c'est quand même un bel endroit. Et en matière d'architecture, pour moi, à Venise, ce qui est le plus intéressant, ce sont les églises Renaissance. Il y a quelques façades d'églises Renaissance extraordinaires, et il y a aussi une façade Renaissance extraordinaire, c'est celle de l'hôpital Zanipolo. En dialecte vénitien, Zanipolo, c'est Saint-Paul et Saint-Jean. On est dans le quartier de Saint-Paul et Saint-Jean. L'église qu'on voit sur la droite de la Via, c'est l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Et à côté, il y a l'hôpital Saint-Pierre et Saint-Paul, l'hôpital Zanipolo. C'est sa façade, une façade Renaissance. C'est une des plus belles façades d'hôpital qui existent au monde. Et puis, si on va plus loin, là, on est avec des fondations du XVIIe et du XVIIIe siècle, au Canada, à Québec, vous avez plusieurs hôpitaux fondés par des Augustines venus de France au moment du peuplement, évidemment, du Canada. Et donc là, il y a encore aussi des bâtiments. Alors si je vous montre aussi tous ces bâtiments, c'est parce qu'on est en train de travailler avec tous ces hôpitaux et d'autres un réseau international de patrimoine hospitalier historique, avec l'idée que ce réseau pourrait porter une candidature UNESCO pour le patrimoine hospitalier historique. Parce qu'il y a une spécificité, ce patrimoine hospitalier historique, il a ses spécificités, ses caractéristiques, et ça mériterait sans doute qu'il puisse y avoir, comme pour les Charbonnages, comme pour les Beffrois, comme pour les anciens militaires Vauban, enfin, il pourrait y avoir aussi peut-être un intérêt à ce qu'il y ait une candidature UNESCO commune pour toute une série de sites du patrimoine hospitalier historique. Plus près de chez nous, on revient en Wallonie, à Namur. Savez-vous que le Parlement wallon, il est installé dans l'Hospice Saint-Gilles. L'Hospice Saint-Gilles, c'était l'hôpital médiéval de Namur. Et la salle du Parlement wallon, c'était la grande salle des malades. Interdit de penser que... Alors donc, je disais, on a ce réseau des hôtels-dieux et apothicaireries dans lequel on travaille, avec des sites français, des sites canadiens, et ainsi de suite. Et dans ce réseau, il y a maintenant une quarantaine de sites de bâtiments. Je vous en montre quelques-uns. En France, près du Mans, il y a un très très bel ensemble à Baugé, avec une apothicairerie vraiment extraordinaire. C'est peut-être que vous voyez ici en bas, une collection de pots de pharmacie remarquable. Enfin, évidemment, les hospices de Beaune, hein, bien sûr. Hein, allez, ce serait dommage de ne pas montrer une diapositive de la grande salle des malades. Cette grande salle des malades qu'ils appellent la salle des pauvres, salle des pauvres qu'ils se demandent s'ils ne doivent pas rebaptiser salle descendant, mais ils hésitent, ils demandent, en discussion. Et donc la grande salle des pauvres, ceci dit, le mobilier est un mobilier néo-gothique.
Donc c'est Maurice Ouradou. Maurice Ouradou, c'est le beau-fils de Viollet-le-Duc. C'est lui qui a restauré Gaulle et c'est lui qui a aménagé donc la salle avec le mobilier néo-gothique actuel. D'autres sites du côté de la Bourgogne, hein, Belleville, Bourg-en-Bresse, Cluny, Hautefort en Dordogne, aussi un exemple intéressant d'hôpital, 17e, hein, lui, mais typique du moment où Louis XIV en France décrète le grand enfermement. Vous savez que Louis XIV va considérer que dans le royaume d'un aussi grand monarque, aussi important, aussi triomphant, aussi lumineux que lui, il est inconcevable qu'il y ait des pauvres et des mendiants dans les rues. Et donc Louis XIV va ordonner à toute la noblesse de France de construire dans chaque ville un hôpital, et dans cet hôpital, hop, on va enfermer les prostituées, les pauvres, les mendiants, tout ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on appelle le grand enfermement. Aujourd'hui, on fait des avions pour les renvoyer chez eux, mais c'est le même principe. L'hôtel Dieu de Louan, l'hôtel Dieu de Tonnerre, très important aussi, ça, Tonnerre, près de Chablis, donc il y a du bon vin aussi, et puis une grande salle, un hôpital Halle, une grande salle médiévale, très très intéressante aussi, très importante comme jalon dans l'histoire des hôpitaux au Moyen-Âge. Tournu, le grand Rivam de Beaune en Bourgogne. Ben, les signes évidemment dont je vous ai déjà parlé aussi, bien sûr. Et encore un mot pour vous parler aussi du fonctionnement de l'hôpital en termes spirituels. Comme c'est une communauté religieuse qui est présente, cette communauté, elle doit suivre une organisation pratique. L'organisation pratique des hôpitaux médiévaux, c'est la règle de Saint-Augustin. Parce qu'en fait, la règle de Saint-Augustin, on peut exagérément la résumer, la caricaturer en disant « aime ton prochain et fais ce qu'il te plaît ». Donc l'image de la charité, l'image de l'amour du prochain, elle est fondamentale dans cette règle-là. Et donc c'est une règle qui est relativement souple et commode pour une vie hospitalière. Imaginez une règle où il y aurait le vœu de silence absolu, ce ne serait pas pratique, évidemment. Et donc, la notion de charité chrétienne, qui est fondamentale, qui est indispensable si on veut comprendre le fonctionnement du monde de l'hôpital médiéval, et même encore le monde de l'hôpital jusque la Révolution française, puisqu'au fond, il faut attendre l'apparition d'idées de bienfaisance publique, 17e, 18e, il faut attendre le 19e siècle et même le 20e siècle pour que le métier d'infirmier ou d'infirmière civile apparaisse, pour que l'hôpital au 19e se médicalise réellement et pour que, somme toute, apparaisse l'idée que dans l'hôpital, on accueille un être humain, accueille un autre être humain, non pas au nom de charité chrétienne ou de bienfaisance publique, mais au nom de la grandeur de l'humanité et au nom du soin normal qui est dû à un autre être humain en souffrance. Dans cet hôpital médiéval, donc, on pratique une médecine dont je vais vous parler pendant les à peu près 20 minutes qui me restent. Oui, vous pouvez aller 25 minutes. Ça va. Vous êtes généreux avec moi. L'auditoire ne proteste pas. Ça va. Alors, cette médecine médiévale, je vais de nouveau être un peu caricatural, mais pour ne pas être trop long, cette médecine médiévale, c'est une médecine qui, en fait, chez nous, dans nos régions, nous revient progressivement à travers le contact avec l'Orient, et elle nous revient donc à travers le contact avec les écoles de médecine du sud de l'Europe, Sicile, Espagne, sud de la France. Parce que on va, malheureusement en Europe, pour faire simple, on va progressivement perdre une partie du savoir médical, dans le sens où, après la chute de l'Empire romain, pour aller vite, le savoir scientifique et médical, vous le savez, il se réfugie dans les abbayes. Dans les abbayes, on pratique la médecine. Il y a une infirmerie monastique, il y a un jardin de saint. Et donc, ce monde de l'hôpital, il fonctionne en fait très bien dans le monde de l'abbaye. Et puis, à un moment, en fait, on pourrait dire que l'Église, qui est très présente, légifère, ou en tout cas encourage certaines législations. Le dimanche, c'est la trêve de Dieu, enfin, hein, au moins ce jour-là, on arrête de se battre. Et puis, à un moment aussi,
par rapport au, à toute la symbolique du sang. Vous savez, de nouveau, on pourrait en faire une conférence, mais ce n'est pas le propos. Mais la symbolique du sang, c'est une symbolique qui est terriblement présente dans les religions. Parce que, évidemment, il y a le sang du martyr, il y a l'image du Christ qui est mort sur une croix, et il y a l'image, évidemment, du sang de celui qui souffre et qui offre sa mort pour le salut des autres. Donc, cette image du sang, cette image du martyr, toute la martyrologie, si j'ose dire, nos sociétés en souffrent suffisamment encore aujourd'hui. Et donc, à un moment, en fait, au Moyen-Âge, l'Église va interdire aux religieux, aux clercs, elle va leur interdire de faire couler le sang. Et donc, la pratique de la médecine va être aussi interdite pour les religieux. Et donc, le savoir médical qui était présent dans les abbayes, il va se perdre. Et les connaissances vont se perdre parce que dès le moment où on n'a plus accès à l'intérieur du corps humain, dès le moment où la dissection est interdite, par exemple, petit à petit, la connaissance du corps et son fonctionnement se perdent. Et donc, on va vers une médecine qui est une médecine qui est plus une philosophie qu'une science, évidemment, vous le savez. Et on dit toujours, de manière un peu caricaturale, que les médecins qui accompagnaient les croisés, quand ils sont entrés au contact des médecins arabes, ils se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient plus grand-chose. Et donc, on va avoir un retour du savoir vers nos régions à travers les croisades et à travers les écoles de médecine, Salerne, Montpellier, Toulouse, l'Espagne. C'est comme ça que petit à petit, au Moyen-Âge, on retrouve des connaissances scientifiques chez nous. Avec, j'insiste pas trop longtemps là-dessus, quelques grandes figures de cette médecine médiévale, Constantin l'Africain, Avicenne, Rhazès, Chauliac, enfin ce sont ceux qui permettent un renouveau du savoir médical, et ce sont ceux qui traduisent aussi parfois les écrits des grands médecins arabes et qui permettent à ces écrits de revenir chez nous et petit à petit de diffuser aussi grâce aux femmes parfois. Il n'y a pas beaucoup d'exemples, il y a deux exemples célèbres de femmes médecins, Trotula, Hildegarde de Bingen est encore bien connue aujourd'hui parce qu'on a réédité beaucoup de ses écrits. C'est une grande mystique féminine, c'est quelqu'un qui joue un rôle important dans le mouvement de spiritualité féminine médiévale. On peut l'associer aussi d'une certaine manière à tout le mouvement des béguines, les béguinages qui sont des structures typiques de nos régions, ici du nord de la France, de la Belgique d'aujourd'hui, du sud des Pays-Bas d'aujourd'hui. Et donc on a là aussi, dans le monde des béguines, des femmes qui exercent des soins, qui donnent des soins à domicile. Et donc on est là dans un monde où la médecine est encore présente aussi, notamment grâce à des femmes. Et cette médecine médiévale, elle repose sur une série de théories héritées parfois de l'Antiquité, et parmi ces grandes théories, je vous en donne deux ou trois qui sont vraiment exemplatives. On est évidemment à une époque où la méconnaissance du corps et de son fonctionnement est importante, et donc ça génère des théories, comme par exemple une théorie qui s'appelle la théorie des signatures. Alors, cette théorie des signatures, elle est basée sur des analogies, sur des comparaisons. Et pour faire simple, je vous ai repris là quatre exemples qu'on cite tout le temps. Quand on coupe une carotte, l'intérieur de la carotte, ça ressemble en fait à l'iris et à la pupille, donc à l'œil. Et donc, voilà, analogie, on va penser effectivement que la carotte est un aliment qui est utile, intéressant pour les maladies des yeux. Alors de temps en temps, comme c'est le cas parfois ici, il se fait qu'il y a une molécule active, parfois, qui intervient en partie dans un processus scientifique. C'est vrai. Mais c'est rarement le cas. La tomate, l'intérieur d'une tomate, ça ressemble aux oreillettes ventricules du cœur humain. Sans doute que l'exemple le plus cité au Moyen-Âge, c'est le cerveau, les hémisphères cérébraux, les circonvolutions des hémisphères cérébraux. Eh bien, une noix, cerneau de noix, ça évoque très très fort les hémisphères cérébraux. Donc, voilà, si vous avez des problèmes au niveau du cerveau,
le médecin vous dira mangez des noix parce que ce sera bon. Et puis le rein et le haricot, hein, la comparaison était évidente aussi. Le haricot a la forme, une forme réniforme, et donc le haricot est prescrit pour les malades qui souffrent de maladies rénales. Ça, c'est cette théorie des signatures, ou par analogie, par comparaison. C'est tout à fait typique des théories médicales médiévales. Et de la même manière, on travaille par association entre le macrocosme, l'univers, et le microcosme, le corps humain. Et cette association macrocosme-microcosme se fait à travers le lien qu'on trouve entre l'univers et le corps humain, entre les signes astraux, entre le zodiaque, les saisons, les organes du corps humain. Tout ça est intimement lié dans l'imaginaire scientifique et spirituel du Moyen-Âge. Vous retrouvez même ça aussi parfois au travers des vitraux, des rosaces, des façades d'églises. Et donc cette image de l'homme zodiacal avec différents signes du zodiaque associés à différentes parties ou à différents organes du corps humain. C'est tout à fait typique de cette médecine médiévale. Une autre grande théorie médiévale, mais qui se poursuit encore au XVIIe et au XVIIIe siècle, et là on pourrait passer du temps aussi à aller relire Molière et à rire et à s'amuser ensemble des textes dans lesquels Molière, qui avait beaucoup donné, se moque des médecins, c'est ce qu'on appelle la théorie des humeurs. Cette théorie des humeurs, on est toujours un peu dans le même principe, macrocosme, microcosme. Au niveau du macrocosme, au niveau de l'univers, on constate que quand il y a des catastrophes, des dérèglements, des dysfonctionnements, ces catastrophes, ces dysfonctionnements sont dus à un déséquilibre entre les éléments qui composent l'univers, le macrocosme. Et ces éléments, on en envisage quatre. La terre, l'air, l'eau et le feu. Ces quatre éléments, bien, quand il y a des ouragans, des tempêtes, des tornades, des tremblements de terre, des raz-de-marée, des inondations, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une rupture d'équilibre entre ces quatre éléments. On va transposer ça dans le fonctionnement du corps humain. Et donc, aux quatre éléments, on associe l'idée que dans le corps humain, il y a quatre humeurs. Et ces quatre humeurs, vous les retrouvez citées là, le sang, la lymphe, la bile, la sérosité. Vous verrez parfois aussi sur les auteurs le sang, la lymphe, la bile et l'atrabile. Si vous retournez lire Molière, le misanthrope, le sous-titre de la pièce, c'est l'atrabilaire amoureux. Le misanthrope ou l'atrabilaire amoureux. Donc l'atrabile, c'est la quatrième humeur. Un atrabilaire, c'est quelqu'un qui a trop d'atrabile. Et donc, ces quatre humeurs parcourent le corps. Si on est malade, si on est souffrant, c'est qu'il y a une rupture d'équilibre entre les quatre humeurs. Sang, lymphe, bile, atrabile. Donc, pour vous guérir, on doit rétablir l'équilibre entre ces humeurs. Et pour rétablir l'équilibre entre les humeurs, on va pratiquer une série de médications, une série de médecines dont je vous parlerai un peu après. En liaison avec ces quatre humeurs, on peut décrire également tout un système de tempérament. On le dit encore aujourd'hui. On peut dire que quelqu'un, il est sanguin, bilieux, lymphatique. Ces quatre tempéraments, on les retrouve encore aujourd'hui dans les expressions courantes et populaires d'aujourd'hui. Et donc, les médecins de l'époque ont toutes sortes de grilles de lecture qui associent les humeurs, les tempéraments. Et on peut même aussi associer tout ça donc aux notions de chaud, de froid, de sec, d'humide. Et on va encore associer à ça éventuellement aussi, dans des disques comme vous voyez ici, plus ou moins complexes, on va associer tout ça, donc tous ces tempéraments, toutes ces humeurs, même aussi à la diététique et aux aliments. On va considérer que les aliments ont aussi ces qualités de chaud, de froid, de sec, d'humide, suivant qu'on est en été, en hiver, on a aussi tout ça qui est présent. Et donc le médecin va vous faire des ordonnances, va vous conseiller une diététique alimentaire en fonction du moment de l'année,
en fonction de votre tempérament, en fonction de ce dont vous souffrez. Et donc, si vous êtes trop flegmatique, trop mélancolique, on va vous conseiller de manger des aliments puissants, énergétiques, et vous comprenez tous les jeux qu'on peut faire de la même manière. Alors, ceux et celles qui sont chargés d'appliquer cette médecine, ce sont les soignants, évidemment. Et les soignants, mais ce sont les médecins et les chirurgiens. Alors, les médecins et les chirurgiens, pendant très longtemps, il y a une grande concurrence entre eux. Le médecin, c'est plutôt un raisonneur, un philosophe. Le chirurgien, c'est plutôt un praticien de terrain. Donc, celui qui met les mains dans le cambouis. Hein, le chirurgien, c'est celui qui met les mains dans le cambouis. Bon, quand on voit, c'est amusant de voir, ça met Saint-Côme et Saint-Damien, les patrons, donc en principe, des médecins, des chirurgiens, dans leur hagiographie, c'est ce qu'on voit là qui est représenté, ils sont censés un jour avoir guéri quelqu'un. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a une jambe toute noire, hein, donc une jambe complètement gangrénée, une jambe toute pourrie. Et ils lui ont retiré et ils lui ont mis une nouvelle jambe hein, en bon état, quoi, en fait. Ils ont prélevé sur un mort qui n'est pas mort depuis longtemps. Enfin, bref. Et donc, le miracle de Saint-Côme et Saint-Damien, qui est de remplacer une jambe putréfiée par une jambe en bon état, en fait, ce miracle-là, les médecins font aujourd'hui. Hein. Quand on voit aujourd'hui les prothèses articulées et ainsi de suite qu'on arrive à faire, grosso modo, la médecine d'aujourd'hui, elle est capable de concrétiser le miracle de Saint-Côme et Saint-Damien. Dans cette querelle entre chirurgien et médecin, entre praticien de terrain et raisonneur, philosophe, il y a un moment charnière, c'est le XVIe siècle. Et quelques grands médecins, j'en cite deux, Vésale et Ambroise Paré. Ambroise Paré, c'est quelqu'un qui commence sa carrière comme chirurgien et qui va monter tous les échelons. Il sera chirurgien de guerre, il accompagnera les armées françaises en Italie, dans toutes les guerres de l'époque, nos régions vont souffrir tellement des guerres franco-espagnoles. Et puis, il va aussi être chirurgien à l'Hôtel Dieu de Paris. Et donc, c'est quelqu'un qui va, de manière empirique, se créer évidemment une banque de données extraordinaire. Et c'est quelqu'un qui écrira, qui publiera en français, parce que comme il n'a pas fait d'études de médecine, il ne connaît pas le latin, il n'a pas appris le latin, et donc il est révolutionnaire parce qu'il écrit en français. Et il est révolutionnaire aussi parce que c'est le premier qui, contrairement aux médecins, envisage la médecine de A à Z. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en fait, lui, pose, examine le malade, pose un diagnostic, donne une prescription avec l'ensemble des contingences à la fois, je vais dire, médicamenteuses, mais aussi en termes de régime alimentaire. Et c'est quelqu'un qui parfois même fait le rôle d'apothicaire, prépare lui-même la médication et la donne au malade. Donc il couvre en fait tout le registre de l'acte médical. Ça, c'est le premier à faire ça. C'est ça qui fait qu'Ambroise Paré est tellement novateur et est tellement moderne pour son temps. Et puis, à côté du chirurgien, du médecin, il y a les religieuses. Et les religieuses pratiquent souvent aussi la médecine. Voilà ici, par exemple, une gravure où on voit des religieuses occupées à pratiquer la saignée. Alors, les remèdes sont préparés par l'apothicaire, l'épicier apothicaire, le pharmacien, mais pendant très longtemps, l'apothicaire, il est tout à fait déconsidéré par le médecin. Le médecin, ben oui, il réalise l'ordonnance, et puis après, c'est l'apothicaire de le préparer. Voilà, pour le médecin, l'apothicaire, c'est quelqu'un qui tripatouille, répond, mais ce n'est pas quelqu'un avec qui il aime être présent et être associé. Donc, le statut de l'apothicaire, c'est un statut qui va prendre beaucoup de temps avant d'acquérir ses lettres de noblesse. Il faut attendre pratiquement l'époque de Louis XIV pour que réellement, avec cette fois-là, des gens qui sont médecins et apothicaires, comme Nicolas Lemery par exemple, pour que réellement, la pharmacie, pour que l'apothicaire soit reconnu comme il doit l'être. Alors, dans l'arsenal thérapeutique
des médecins, des chirurgiens, des apothicaires, que retrouve-t-on? On retrouve d'abord, évidemment, le saint guérisseur, hein, et le départ en pèlerinage, hein, vers un sanctuaire au sein duquel on pourra prier saint Roch ou bien un autre saint qui a des vertus de saint guérisseur. Et voilà, pour ces grands pèlerinages, ces grandes processions médiévales, même les flagellants comme on voit ici, hein, c'est tout à fait typique de la conception de la maladie au Moyen-Âge. Si on est malade, ça peut être Dieu qui punit ou qui met à l'épreuve. Alors, le diagnostic, c'est quelque chose qui se prend, qui s'interprète grâce à la prise du pouls. Au Moyen-Âge, les médecins sont capables de prendre le pouls, comme on le voit ici. Ils sont capables de travailler par palpation. La palpation abdominale est bien maîtrisée, comme vous voyez aussi ici. Et puis, dans le folklore qu'on a illustré dans la médecine médiévale, il y a bien sûr les urines. Alors, vous savez bien qu'on dit toujours que les médecins vont examiner la couleur, l'aspect, l'odeur des urines et même le goût. Pour diagnostiquer au Moyen-Âge un diabète sucré, rien de tel que goûter l'urine pour voir si elle est sucrée. Et donc, ces urines, qui sont l'objet de beaucoup d'attention, elles sont passées dans le langage courant, si j'ose dire, à travers une expression populaire. Enfin, les urines et même les excréments, hein, parce que aujourd'hui, quand on se rencontre et qu'on dit bonjour à quelqu'un qu'on connaît bien, ce qu'on fait, c'est « ça va ?» Le « ça va » familier qu'on s'échange, ben, ce « ça va » familier, il vient d'un « comment vas-tu » poli. Et ce « comment vas-tu » poli, il vient en fait d'un « comment vas-tu » du XVIIe, XVIIIe siècle, qui est un « comment vas-tu » où on se renseigne sur la santé de son interlocuteur. Et donc ce « comment vas-tu », c'est « comment vas-tu » à celle. Donc quand vous demanderez encore à quelqu'un tantôt demain « ça va ?», vous penserez que ce « ça va » du XXIe siècle vient d'un « comment vas-tu » à celle du XVIIe siècle. Alors pour les urines, voilà de nouveau des illustrations. Vous avez des tables de couleurs et d'aspects, des nuanciers, hein, vraiment comme un nuancier de peinture, où, en fonction des nuances de couleurs et d'aspects, on peut diagnostiquer certaines maladies. Les soins qu'on donne, ben, les voilà ici illustrés à travers la saignée. On va saigner le bras, la jambe, la jugulaire. Cette saignée, on la poursuit jusqu'au XIXe siècle. Pourtant, William Harvey, comme vous le savez, va, dès le début du XVIIe siècle, expliquer circulation sanguine hématopoïèse, mais Harvey n'est pas cru, querelle des anciens et des modernes, pendant très longtemps les anciens triomphent, la Sorbonne, l'université de référence de Paris, est extrêmement rétrograde, elle n'accepte absolument pas les théories modernes, c'est pour ça que Louis XIV, d'ailleurs, crée le jardin des plantes, pour y mettre les scientifiques progressistes. Voilà des images de saignées hein, qu'on retrouve avec des saignées ici au bras, hein, toujours c'est assez typique. Hein. On vous tire un demi-litre de sang, une pinte de bon sang, l'expression vient de là, un demi-litre. Alors quand vous savez qu'on a dans le corps en moyenne autour de 4-5 litres de sang au maximum, un anémique ou quelqu'un de très affaibli, par exemple par un accouchement difficile où il y a déjà eu saignement abondant et hémorragie, on considère que pour leur mettre d'aplomb, il faut pratiquer des saignées. Et donc, couramment, quelqu'un d'affaibli, on lui fait une saignée tous les jours pendant 4 à 5 jours. Imaginez quelqu'un qui a perdu 1 litre de sang en opération, à qui on pratique 4 à 5 saignées en 4 ou 5 jours, qu'est-ce qui se passe? Indubitablement, il meurt exsangue. C'est ce qui se passe. Voilà du matériel à saigner, hein, avec les plats, les lancettes, tels qu'on en retrouve au musée. Petite curiosité, pour les lieux où il est difficile de pratiquer la saignée, on pose des sangsues. Elles font le même effet, le même principe. La pose des ventouses,
ses cousins de la saignée. Ça se pratique dès le Moyen Âge aussi, la pose de ventouse. Évidemment, bon, allez, on pourrait faire une conférence rien que sur les lavements, parce que dans les pièces de Molière, il en parle bien, et parce qu'il existe des tas de lavements différents. Les clistères, les lavements, on va mélanger toute série de plantes, du CD, de la casse, des aromates, des épices, enfin, il y a toutes sortes de lavements différents. On considère que ce qui est important, c'est que les entrailles soient propres. Et donc, on pratique de très très nombreux lavements. Voilà une gravure qui illustre bien les lavements. Vous avez la malade alitée, le médecin qui arrive avec la servante, et encore derrière, le siège des anges qui arrive et qui est prêt. Voilà les œuvres d'Ambroise Paré dans une édition du XVIIe siècle, ouverte à la page où Ambroise Paré parle des clistères et des lavements. Voilà un des clistères conservés au musée. Voilà d'autres clistères avec un flacon à IPK. Tout ça fait partie des médecines médiévales, mais encore du XVIIe, XVIIIe. Et puis, une autre grande médication sont les vomitifs. Il y avait des pilules notamment à base de sel d'antimoine. L'antimoine, c'est un poison violent, et donc c'est un vomitif puissant. Et les médecins avaient ce qu'on appelle des pilules perpétuelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on donnait la pilule à gober aux malades. Comme c'est une pilule qui contient des sels d'antimoine, qu'est-ce qui se passe ? C'est un vomitif puissant. Donc très vite, dans les minutes qui suivent, vous vomissez. Que faisait le médecin ? Vous l'imaginez ? Si c'est une pilule perpétuelle, ça veut dire qu'elle va resservir. Donc le médecin récupérait sa pilule et puis il la nettoyait pour qu'elle puisse être réutilisée pour le malade suivant. Voilà pour les vomitifs. Aujourd'hui, ça fait très mauvais genre de vomir en public. Vous savez qu'à l'époque romaine, les patriciens romains de l'Empire quelque peu décadent, ils pratiquaient de grands banquets, ils mangeaient jusqu'au moment où les dents du fond baignent, comme on dit. Hein. Et puis, on se faisait vomir même publiquement, parce que c'était une manière de remercier son hôte, de lui montrer qu'on avait vraiment bien mangé chez lui. Et puis, il y a les deux mots de la chirurgie pour terminer, avec, bien entendu, sans vouloir trop vous effrayer, une médecine au cours de laquelle on pratique de très nombreuses amputations ou trépanations. Pour faire simple, pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de blessures. Ces blessures vont s'infecter, vont se gangréner. Il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas d'anti-inflammatoires. Au Moyen-Âge, vous pensez bien, il n'y a pas de perdolant, il n'y a pas de pénicilline, il n'y a pas d'antibiotiques. La pénicilline, c'est 1945. Alors, donc, quand un membre s'enflamme, se gangrène, on va vous amputer pour espérer que vous ne mourriez pas de cette ischémie. Et donc, les amputations se pratiquent couramment au Moyen-Âge, d'autant plus que parmi les grands fléaux médiévaux, vous retrouvez aussi des maladies comme la lèpre ou le mal des ardents. Lèpre ou mal des ardents, qui sont des maladies où il y a une dégénérescence nerveuse qui fait qu'on perd la sensibilité au niveau des extrémités des membres. Donc, on se blesse facilement, et donc, forcément, toute la chaîne de l'infection ou amputation, elle se déclenche très rapidement. Et donc, les médecins du Moyen-Âge, mais encore du XIXe siècle, sont des médecins qui pratiquent beaucoup les amputations. Voilà toutes sortes d'images d'amputation. Ici, on est avec des médecins d'époque de Louis XV, où vous voyez une chaise d'amputation, et vous voyez qu'en fait, le médecin est assisté par trois ou quatre aidants, parce qu'évidemment, ce qui est fondamental, c'est de maîtriser les mouvements du malade, et ce qui est fondamental, c'est que l'opération se passe vite. Si on veut avoir une chance que le malade survive au choc et à la douleur, on ne peut pas traîner. Voilà, toutes sortes de gravures qui représentent ces scènes d'amputation qui font vraiment partie en fait de cette médecine médiévale. Voilà une trousse d'amputation un peu plus récente, 18e, 19e, mais on est vraiment là avec quelque chose qui se pratique beaucoup, comme la trépanation. Trépanation pour laquelle en fait on a des trépieds élévatoires comme là qui permettent en fait d'essayer d'agir sur un traumatisme crânien, un enfoncement de la voie crânienne. Et
voilà ces trépieds ou ces appareils de trépanation. Et en fait, ces trousses comme celle-ci aussi, vous avez une sorte de vilebrequin qui est là, qui intervient à un moment dans l'opération de trépanation. Et je termine simplement voilà, par cette image-ci, pour un peu vous faire sourire. L'opération dite de la pierre de folie. C'est une des grandes opérations médiévales aussi, pratiquées par des charlatans. Voilà, Jérôme Bosch l'a peinte. Et donc c'est l'idée à l'époque que si vous êtes fou, épileptique, si vous souffrez de maladies mentales, de violents maux de tête, enfin que sais-je, eh bien ce qui s'est passé, c'est probablement que pendant votre sommeil, une petite araignée, un petit insecte, un petit scarabée est entré dans votre tête, par votre bouche, votre nez ou vos oreilles. La petite bestiole a cheminé, se retrouve dans votre boîte crânienne, mais elle a trouvé comment entrer, mais elle ne trouve pas comment sortir. Et donc elle va mourir, elle va s'enquister, devenir une petite pierre. Cette petite pierre qui est dans votre crâne, elle est responsable de vos dérangements. C'est la pierre de folie. Et pour vous guérir, il faut faire sortir du crâne la pierre de folie. Et c'est pour ça qu'on trépane, pour trouver à l'intérieur de la boîte crânienne, sous les os de la boîte crânienne, la pierre de folie typique de celui ou celle qu'on considère comme le malade mental médiéval. Voilà. Sur cette évocation-là, j'espère ne pas avoir trop eu l'air d'un malade mental médiéval. Et je vous remercie pour votre agréable attention. Sur la fin. Alors, on va passer à la séance traditionnelle de questions qui commence. Ils sont de se faire part. Je vous remercie beaucoup pour votre exposé, c'était vraiment très intéressant. Je suis très content de vous donner la félicitation. Ça, c'est une chose sur les achats. Si on rentre plus loin dans le temps, est-ce qu'on retrouve aussi des hôpitaux, des hospices dans les grandes cités antiques? Il semble que oui, dans le sens où, quand on voit dans les cités grecques, il y a effectivement une médecine qui est présente, une médecine qui vit à travers des structures qui sont peut-être pas très semblables aux hôpitaux médiévaux, peut-être que des écrits, mais oui, il y a des temples, il y a des lieux où la médecine se pratique. Donc on a effectivement, sans doute, une structure médicalisée qui existe dès l'Antiquité. Oui. Et à Athènes, à Alexandrie, oui, on a des témoignages de tout ça. Oui, absolument. J'aurais une question. D'une part, comment se fait-il qu'on ne regarde pas le pourcentage de personnes qui survivent? Parce que, face aux trépanations, j'ai l'impression que il ne doit pas y en avoir beaucoup. Non. On a des cas où on a effectivement des crânes dans des cimetières médiévaux ou même des cimetières avec des inhumations du 16e, 17e siècle où on retrouve effectivement la trace d'un crâne osseux qui s'est ressoudé, par exemple. Donc ça veut dire que le malade a dû survivre un certain temps après l'opération. Ça ne nous permet pas encore de savoir dans quel état il était. Mais il a survécu parce que les os se sont ressoudés, ça on peut dire. Et on a ça aussi même parfois dès l'Antiquité aussi. Il y a sur des fouilles, dans des cimetières, on a trouvé des traces où on a un crâne osseux qui se ressoude, donc il y a un malade qui a survécu. Mais oui, sur les préparations, effectivement, il y a peu de survivants. Je connais quelques exemples intéressants aussi, c'est à travers la religion, mais c'est plus sur des blessures de guerre. Ce sont de grands seigneurs, de grands militaires médiévaux qui sont blessés à la guerre, donc de bataille, et qui, dans le cadre du traitement qu'ils reçoivent, doivent être préparés pour essayer de les sauver. Et certains vont survivre, et je connais de mémoire quelques cas de triptyques ou de polyptyques qui sont des ex-voto offerts à des chapelles ou à des églises par des princes, des ducs, des grands militaires, en remerciement à la Vierge ou à un saint ou d'autres
qu'ils considèrent comme ayant été leur protecteur et qui leur a permis de survivre à une trépanation, dans quelques cas. Mais c'est vrai que le kidam qui est trépané, il y en a très peu qui survivent, ça c'est sûr. Et pour les amputations, le taux de mortalité est fort aussi. Ça, oui, sûrement. Mais on ne regarde jamais ces taux très faibles de survie en disant parfois ils ont la possibilité. Non, parce qu'on n'a pas d'autres possibilités. Sinon, la gangrène est là, et de toute façon, on meurt aussi. Donc, l'amputation, c'est déjà ce qui vient au dernier coup. Et donc, voilà, c'est la mort certaine. Si on n'ampute pas, c'est la mort certaine. Donc, on ampute pour éviter la mort certaine. Donc, on est très heureux de sauver 15 ou 20% d'amputés par rapport à un pronostic qui est toujours létal, en fait. C'est un peu ça. Et alors, mon autre question, d'où vient l'idée que la saignée peut soigner? Oui, de l'idée simple et simpliste que le sang jaillirait du cœur ou du foie, enfin mais du cœur, comme l'eau d'un puits ou d'une fontaine. Et donc, quand l'eau d'un puits ou d'une fontaine est croupie ou se tarit, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'en tirer pour en faire revenir de l'eau qui sera propre, en fait. Et donc, un peu de la même manière, on pense stimuler la production de bon sang en vous tirant le sang censé être vicié, et donc on pense encourager la production d'un nouveau sang de bonne qualité en tirant de l'individu le sang vicié qui le rend malade. C'est un peu cette analogie-là. C'est par rapport à une fontaine ou à un puits, on pense que, on ne maîtrise pas du tout l'hématopoïèse et on ne maîtrise pas du tout l'idée que les cellules de la moelle osseuse produisent les globules blancs et les globules rouges. Pourtant, Harvey, lui, il va le dire au début du 17e, mais avant ça, on ne sait pas. Et même quand Harvey décrit l'hématopoïèse, la circulation, les battements du cœur, et qu'on comprend que c'est un circuit fermé alimenté par les cellules souches de la moelle, quand on le comprend, ils sont quelques-uns à le comprendre au 17e, mais la plupart des médecins refusent cette théorie-là. Et les universités, la Sorbonne notamment, refusent complètement ça aussi. On le retrouve dans Molière, en fait, dans le malade imaginaire, donc arguant le malade, comme la médecine lui coûte très cher, il se dit un truc pour économiser de l'argent, c'est de faire épouser un médecin, c'est de donner à ma fille un médecin à épouser. Comme ça, j'aurai un gendre qui sera médecin et je serai soigné gratos. Et alors, donc, il y a des prétendants qui arrivent. Et il y a un prétendant qui est choisi, c'est Diafoirus. Et Diafoirus, donc le prétendant de la fille d'Argan, quand il vient remettre ses lettres de créance, si j'ose dire, c'est un bénéfice qui est accompagné par son père, et son père parle pour lui, et son père dit, voilà, mon fils va défendre une thèse de médecine à la Sorbonne, et c'est une thèse contre les théories circulationnistes d'Harvey, pour bien montrer que ça c'est un médecin sérieux. Et l'examen de médecine de l'époque, dont Molière se moque aussi dans le malade imaginaire à la fin de la pièce, Argan est lui-même soi-disant intronisé médecin, et donc c'est vraiment l'examen de médecine de l'époque, parce qu'il y a des questions stéréotypées où on propose différents types de pathologies, et le futur médecin, l'élève, répond chaque fois. En fait, c'est la même réponse, vous vous souvenez de la pièce, c'est Hysterium donare, ensuite asseniare, postea purgare. Et en fait, il le dit dans l'ordre différent sur les pathologies, mais c'est toujours Hysterium donare chaque fois. Et il y a le cœur des bacheliers, des savantissimi, doctori et bachelieri qui répond bene, bene, respondere. Donc, c'est rigolo pour nous aujourd'hui, mais Molière, il caricature pas, il se moque de la réelle pratique de son temps. Moi, je vais vous demander si l'hôpital était géré un peu comme une entreprise, mais c'est plus sur l'aspect financier. Oui, oui. S'il devait dégager des bénéfices, faire des investissements, s'il y avait des hôpitaux plus réputés, ils devaient soigner leur image. C'est également par rapport aux soins, s'ils étaient payants, s'il y avait des tarifs, si c'est plus cher pour les riches, plus cher pour les meilleurs soins. Donc toute la dimension économique du monde de l'hôpital, elle est évacuée à travers le fait que c'est la charité chrétienne qui est fondamentale. Donc on encourage les dons faits aux hôpitaux. Beaucoup de gens font des dons aux hôpitaux en argent, en terre, en rente,
Et donc, la structure autarcique garantit des soins gratuits. Donc, le malade qui est reçu à l'hôpital, il ne paye pas pour être soigné. Les soins qu'il reçoit sont gratuits, entièrement gratuits. Il est nourri, gratuit. Alors, c'est le pauvre malade qui est reçu. Les gens riches, ceux qui ont des moyens, qui sont soignés à domicile, par le médecin, le barbier, l'apothicaire. Et lui, c'est une médecine payante. Et sans doute que le tarif varie en fonction des moyens du patient. Quoique, mais dans les structures de type corporation, il y a des règlements, donc on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Mais il se peut quand même qu'il y ait une certaine relativité des tarifs. Mais dans le monde de l'hôpital, c'est gratuit. On accueille le pauvre malade, il est reçu comme le maître de la maison, et ce sont les dons faits aux hôpitaux qui assurent cette gratuité. Alors, ceci dit, c'est vrai qu'il y a des hôpitaux qui sont mieux réputés que d'autres, parce que le personnel, les médecins qui y travaillent, sont plus savants, et ils ont une meilleure connaissance. Voilà. Mais c'est souvent dans les grandes villes, ça, les hôpitaux de grandes villes, les hôpitaux de villes dans lesquels il y a une faculté de médecine, université, forcément, ben, ils sont mieux irrigués, évidemment, par un personnel en formation que les hôpitaux de petites villes plus retirées, enfin, vous voyez ça sûrement. Mais donc, les gens qui ont de l'argent, ils sont soignés à domicile. En fait, il faut attendre très, très longtemps, il faut attendre le 19e et le 20e siècle, et même plutôt le 20e siècle, hein, pratiquement, pour que tout le monde se rende à l'hôpital. Hein, prenons cet exemple-là, sans parler de ma vie, mais si vous avez comme moi dans la cinquantaine et que vous êtes un enfant de vieux et que vous avez eu des grands-parents qui ont vécu vieux, vous avez encore la chance parfois d'avoir connu une grand-mère qui avait vécu parfois au début du 19e. Eh bien, moi, je me souviens que ma grand-mère, elle ne voulait pas aller à l'hôpital pour être soignée. Parce que pour elle, aller à l'hôpital, c'était pour mourir. Pour elle, aller à l'hôpital, c'était, si on n'avait pas d'argent, l'hôpital, c'était pour les pauvres, en quelque sorte, encore. Et donc, c'est pour dire combien nos mentalités étaient restées imprégnées de cette image-là jusqu'en 1950, certainement. Vous avez insisté sur le fait que les hôpitaux liés au développement des villes ont un recrutement local. Oui, oui. Mais je suppose quand même que par charité chrétienne, vous ne pouvez pas fermer la porte à quelqu'un qui leur demandait de l'aide. Non, bien sûr. Non. Bien sûr. Le pèlerin de passage est reçu pour un repas, quelque soit aussi. Hein. Non, bien sûr. Dans les abbayes, oui. C'est la même chose. Oui, oui. C'est comme ça, vous avez parlé de l'Uni, mais l'antagonisme médecin-chirurgien a existé, je pense que ça se termine au milieu du 19e. Le diplôme de médecin chirurgien, oui. C'est le milieu du 19e. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est après la Révolution française, on pourrait dire que peut-être que déjà un peu au 18e avec Joseph II, je pense que Joseph II, si j'ai bonne mémoire, commence déjà un peu à réformer et à réorganiser un peu tout ça aussi. Mais donc, au mieux, c'est deuxième moitié du 18e, et certainement pas avant. Et puis, évidemment, avec la structuration de nos universités au 19e, oui, progressivement. Mais le mépris des médecins qui sont chirurgiens, comme pour les apothicaires, est un manifeste. Oui, bien sûr. C'est ce genre de petit métier, qui se fait avec leurs mains. On pourrait dire, je parle sous le couvert d'amis médecins et d'amis spécialistes, parfois aussi, même entre les disciplines médicales, entre les différentes spécialités. Bon, moi je me souviens d'un, il est toujours vivant, un ami gynécologue qui est retraité aujourd'hui, hein, et donc qui a peut-être 80 ans aujourd'hui, mais qui me raconte que quand il a choisi comme spécialité la gynécologie obstétrique, à l'université, c'était considéré encore à son époque, quand il était étudiant,
donc au sortir de la deuxième guerre, enfin, c'était considéré comme le pipi caca, quoi, enfin, parce que voilà, c'était la discipline la plus basse, hein, parce que non seulement on allait s'occuper en plus des femmes, hein, du sexe et du cul des femmes, quoi, enfin. Donc c'était vraiment un peu la discipline la plus méprisée, hein, c'était gynéco-obstétrique, en fait, hein. Quelqu'un désire poser une autre question, monsieur ? Vous avez effectivement fait le lien avec notre époque, à travers la sécurité sociale et les CPAS sont les laisseurs d'or de cet accueil des mal lotis à l'époque. Oui. Et donc ça a touché par l'actualité du présent, puisque rappelons-nous qu'une des raisons du développement lors de l'urbanisation, du développement de ces hôpitaux médiévaux, bien sûr, il y avait la charité chrétienne, mais il y avait aussi le souci d'éviter les désordres sociaux. Alors rappelons-nous que la sécurité sociale, c'est aussi un garant de la paix sociale. Et donc vouloir détricoter la sécurité sociale, ce n'est pas seulement l'entorse à la solidarité, qui a remplacé la charité, mais c'est aussi une menace pour la paix sociale. Oui, bien sûr. Je vous rejoins complètement sur le sujet. Ce qui fait l'équilibre d'une société, c'est sa capacité à redistribuer les richesses produites. Alors il est certain que certains méritent, entre guillemets, d'en recevoir plus que d'autres, parce qu'ils ont osé investir, parce qu'ils travaillent beaucoup, et il n'y a rien à faire. On ne peut pas constituer effectivement une caste de très riches, et elle ne peut pas se contenter de regarder de haut une immense majorité de pauvres. Et donc c'est un gros problème dans nos sociétés, c'est effectivement que la manière dont nous sommes en train de répartir effectivement la richesse produite, elle devient de plus en plus inéquitable. Si vous avez vu le soir d'aujourd'hui, et si vous avez lu le dossier du soir d'aujourd'hui sur la manière dont 340 multinationales ont réussi en passant par le Luxembourg à éluder depuis des années l'impôt, c'est QFD. Et si l'hôpital des pieds-là accueille les pauvres, le déficotage de la sécurité sociale fera que bientôt il n'y accueillera plus que les riches. Oui, absolument. Quelqu'un désire poser une dernière question ? Ok. Alors avant de remercier notre conférencière, une question ici devant, c'est ça ? Madame ? Oui. C'est la plus grande vision de la paix. Le ménage de la grande économie, je crois que c'est un sujet. Ouais, on pourrait faire une conférence aussi. Mais en quelques mots, comment pouvait-on soigner ? Alors en fait, les fléaux, je n'en ai pas parlé, mais. J'aurais pu vous parler aussi des grands fléaux médiévaux. Et dans les grands fléaux médiévaux, un de ces fléaux, c'est la peste. Et voilà des costumes de médecins de la peste. C'est des costumes qui ont été inventés simultanément en Italie, en Allemagne et en France par des médecins différents. La gravure de gauche, c'est soi-disant Delorme. Delorme, c'était le médecin Louis XIII. C'est lui qui, en France, passe pour l'inventeur du costume du médecin de la peste. Alors, la peste ou les pestes, parce que il y a différentes formes de peste. Mais pour faire simple, on va comprendre, grâce à Yersin, un disciple Pasteur, que la peste, c'est une maladie qui est due à un bacille, donc une petite bactérie, un bacille, le bacille de Yersin d'ailleurs. C'est un bacille qui se trouve à l'état endémique dans le sol. Les rats, en grattant le sol, sont infestés par le bacille. La puce transmet le bacille du rat à l'homme par la piqûre. Les puces ont tendance à dupliquer dans des endroits chauds, donc au niveau de l'aine ou de l'aisselle. C'est comme ça que là, les ganglions forment le bubon suite à l'infection. Et donc, cette maladie, la peste, est une maladie contagieuse, évidemment, parce qu'il y a des formes de peste qui se transmettent par les rats, évidemment, et par les puces, donc dans la promiscuité et l'insalubrité des villes médiévales, ou même encore du 17e, 18e et du 19e siècle, ça peut facilement se propager, évidemment. Et donc,
le costume du médecin de la peste, tel qu'il apparaît là, il est couvert de cuir des pieds à la tête, il a des gants en cuir, des bottes, un chapeau, il a un masque, il a des protections oculaires en verre ou en cristal de roche, il a un bâton qui lui sert à soulever les habits des malades à distance. Parfois, il met une bougie entre lui et le malade, pour pense-t-on, parce qu'à l'époque, on pense que la peste se transmet par des pestilences. Les pestilences, ce serait le principe des postillons, on pourrait dire en quelque sorte, ou par l'air qui est expiré par le malade. Donc, ça c'est faux, mais on pense à l'époque. Donc, on va avoir cette bougie entre le malade et le médecin, on va soulever les habits, mais en fait, dans le nez coupé, on bourre en fait des chiffons ou bien de la paille et on mélange là des aromates, des substances. Et donc c'est censé filtrer l'air pour purifier l'air des miasmes, des pestilences. Ça c'est tout le système de protection médicale type Ebola de la peste à partir du 17e en fait. Puisque ces habits-là, ces habits anti-contagion, ils apparaissent au 17e siècle. Comment soigne-t-on? On ne soigne pas. Ben, si, on donne des médications, mais qui sont totalement inefficaces. La thériaque, c'est un remède miracle inventé, soi-disant, par le médecin Néron, préparé pendant tout le Moyen-Âge. Une centaine d'ingrédients, des tropistes de vipères, des rognons de castor, de l'opium. Alors, comme l'opium a un effet un peu sédatif et calmant, on trouve que ça a un certain effet sur le malade. Et puis alors quand on va avoir les grandes découvertes, les voyages, on va ramener beaucoup plus des pays du Sud, les agrumes et ainsi de suite, donc les citrons, les oranges, tout ça à un moment va intervenir aussi. Toutes les préparations vinaigrées, il y avait un médicament qu'on appelait le vinaigre, des 3 ou 4 valeurs, j'hésite. Et donc c'était parce que soi-disant, 3 voleurs qui allaient piller les maisons laissées à l'abandon par les pestiférés, ne tombait pas malade. Et puis, la police a réussi à leur mettre le grappin dessus, et on leur a dit maintenant, écoutez, ou bien vous êtes pendu parce que vous volez, ou bien vous donnez la recette, soi-disant, du médicament, du vinaigre, qui vous protège de la peste. Ils ont donné leur recette, ils ont quand même été pendus après, mais voilà, le vinaigre des 3 voleurs, c'est de la charlatanerie aussi. Donc, il n'y a pas de vrai traitement avant les médicaments qui permettent de lutter contre les microbes et les bactéries, en fait, hein, tout simplement. Survivre à la peste, c'est un peu de chance. Survivre à la peste, ça implique d'avoir un bon système immunitaire qui est en bonne santé et qui est dynamique au moment où vous êtes attaqué, et vous avez davantage de chances d'en sortir, oui, sûrement. Même chose pour d'autres choses, hein. Ça c'était sur la peste avec l'image de Dieu et des flèches qui frappent les hommes, avec Saint Éloi ou Saint Roch, les saints guérisseurs de la peste, mais vous avez aussi la lèpre, évidemment, au Moyen-Âge, dont vous pouvez parler, et vous avez le mal des ardents, le feu de Saint-Antoine, là c'est une parasitose. C'est l'ergot du seigle, champignon, qui contient une toxine, une neurotoxine, et qui fait qu'on a le système nerveux qui est détruit, et donc on perd la sensibilité au niveau des membres. Enfin, il y a toutes sortes de joyeusetés comme celle-là dont on pouvait parler aussi. Voilà. Donc, avant de remercier notre conférencier, petit message de service qui est important. La troisième conférence du cycle Histoire de la médecine est programmée le lundi, donc c'est un lundi cette fois-ci, 1er décembre. Et comme justement Raphaël Debray nous a souvent parlé de Molière aujourd'hui, eh bien figurez-vous que le sujet de la prochaine conférence, c'est les médecins de Molière au chevet de Louis XIV. Et le conférencier, c'est Jean-Louis Venerwegen. Voilà. Donc bonne soirée à tous et merci.